On surplombe la ville. Ah oui, tout à fait. Là, le toit en jaune, c'est le point central. Et alors, derrière cette porte, il y a la place Tiananmen. C'est la plus grande au monde, je crois. C'est aussi un site touristique très important. Tous les matins, on monte les drapeaux. Et donc, à cette heure-là, normalement, il y a beaucoup de monde. Bon, non seulement les touristes, mais aussi les locaux. Il y a un portrait de Mao. Il y a un portrait de Mao, oui, tout à fait. Là-bas, les toits oranges sont les toits des palais de la Cité Interdite. Ah oui, oui. On appelait ça la Cité Interdite parce qu'à l'époque, quiconque y entrait, sans autorisation, sans y être invité, se faisait décapiter. Heureusement, les temps ont changé. Maintenant, il y a 15 millions de touristes qui visitent ça chaque année. 15 millions chaque année. C'est une ville tentaculaire. Est-ce que vous savez combien il y a d'habitants? À peu près 21 millions d'habitants ici. Ouais. 21 millions, c'est énorme. Bon, là, vous l'avez dit, c'est un quartier traditionnel. Ça contraste quand même avec tout cet espace de building. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de constructions ces dernières années. Ouais, mais pas dans ce quartier-là. Dans ce quartier-là, c'est plutôt des architectures protégées. Tous ces bâtiments-là qu'on voit maintenant, on les garde juste comme ils sont maintenant. Beijing, pour moi, c'est une ville qui me plaît beaucoup. C'est ici que j'ai pu réaliser mon rêve. Vous l'aurez compris, nous sommes en Chine, à Pékin, en compagnie de Shang Wanjie. Bonjour Wanjie. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Pékin des arts. Vous êtes une reine de la pop, une impératrice même, puisque vous faites partie du top 3 des chanteuses les plus connues dans un pays qui compte quand même 1,3 milliard d'habitants. Vous êtes aussi une amoureuse de la mode, on le voit avec cette magnifique tenue. Merci, merci. Donc avant de parler de votre carrière, vous allez nous présenter une créatrice que vous aimez beaucoup. Elle s'appelle Machama. Ah, oh, une très bonne amie. On va la rencontrer? Ouais, on y va. Le marché de la mode est bien au rendez-vous au cœur de Pékin, avec toute une génération de jeunes et fiers créateurs chinois qui s'imposent en rejetant le low cost et les codes du luxe à l'occidental. Parmi eux, Machama. La jeune femme partage son temps entre Londres, Paris, Pékin et son studio de Shanghai, où sont aujourd'hui réalisés la plupart de ses modèles. Laure adore son style audacieux et complexe, et son esprit de construction poussé à la perfection qui met en valeur une femme à la fois fière et gracieuse. Bonjour. Valérie. Bonjour. Macha, quand on regarde vos collections, alors pas toutes, mais essentiellement, vous êtes noir et blanc. Pourquoi c'est une source d'inspiration, le noir et blanc, plus grande que la couleur? Le blanc est la couleur idéale pour mettre en valeur une coupe. Il n'y a pas d'autre couleur au monde qui puisse vous aider à perfectionner une silhouette. Pour le noir, je pense que tous les créateurs de mode ont une obsession avec cette couleur. D'ailleurs, on ne la considère pas vraiment comme une couleur. C'est une façon de se démarquer des tendances et ça s'était un peu perdu. Away from trend or fashion that they always lost. Alors c'est vrai que quand on pense à la mode venue de Chine, on pense immédiatement au Made in China, ça a une référence au low cost. Est-ce que c'est difficile de vous imposer en tant que créatrice chinoise? C'est un défi intéressant et nous sommes en plein apprentissage. Ce qu'on appelle le Made in China ne fait pas encore partie du monde de la mode dans l'esprit des gens, mais je pense que ce sera bientôt le cas. Les Italiens n'ont pas été toujours au centre de la mode après la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient surtout réputés pour leurs ateliers de fabrication, mais en un demi-siècle, ils sont devenus incontournables. En Chine, l'évolution va se faire encore plus rapidement. And it is happening. Wang Jie, qu'est-ce qui vous plaît dans les créations de Macha? Il y a un regard très intéressant sur certaines questions de la femme moderne. C'est-à-dire que Macha, elle parle non seulement de l'élégance, mais elle parle en même temps de l'embarras, de l'inquiétude et même de l'emprisonnement que la femme est obligée de faire face dans sa poursuite de l'élégance et de la beauté. En fait, ces deux robes, elles sont super lourdes. Hein. C'est pour mon album Out to the Doom. Celle-là, c'est assez compliqué pour porter,
parce qu'il y a beaucoup de pièces raccrochées à la robe. C'est une juxtaposition de différentes formes, de textures. Et j'aime bien les épaules perlées. C'est une superbe ambassadrice, Angie. Ah oui, pour cet album, on a créé quelque chose entre le sombre et la lumière. Ce que vous avez vu avant, c'est le côté sombre. Et puis ça se transforme en quelque chose de pur, de libérateur. Et ça, c'est très représentatif de tout l'album. Bon, vous êtes en permanence dans la lumière. Est-ce que vous avez un côté sombre? Oui, en fait, la musique que je crée a toujours un côté sombre. Parce que je crois que la lumière vient du sombre. C'est ma philosophie, d'une certaine manière. De l'obscurité à la lumière, du mandarin à l'anglais en passant par le français qu'elle a appris à l'université, Wang Ji aime créer des ponts entre les différentes cultures et toujours regarder vers l'avenir. Elle l'a embrassé. T'es plus jolie que jamais. Tu le trouveras. Pas étonnant qu'elle ait choisi d'installer ses bureaux au Galaxy Soho, un complexe architectural futuriste signé Zaha Hadid. C'est un peu un ovni dans le paysage de Pékin. Ouais. C'est un ensemble un peu compliqué. Et ça a un surnom, cette forme totalement particulière. Je oui, sais que les Pékinois disent que c'est comme des soutiens-gorge. Un soutien-gorge, parce que ça a la forme du soutien-gorge. Ouais, ouais. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Alors, dans votre dernier album, Graceland, il n'y a pas de chansons en français. Il y en avait 4 dans le précédent. Ouais. Est-ce que les Chinois aiment bien les chansons en français? La langue française est considérée par les Chinois comme une langue très romantique. À mon avis, le romantisme français, c'est de vouloir mourir pour l'amour. C'est plutôt tragédie. Mais pour les Chinois, le romantisme, c'est un dîner aux chandelles. En 2006, vous inscrivez à un concours de chant qui s'appelle Supergirl. C'est l'équivalent de notre nouvelle star à nous en France. Et vous gagnez. C'était pas un pari un peu risqué de tout plaquer, notamment votre carrière dans le marketing? En fait, il ne s'agissait pas d'un pari, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi la chanson. C'est plutôt la chanson qui m'a choisi. J'ai fait de mon mieux, je me suis bien amusée tout au long du concours, mais il y a quelque chose d'autre qui m'a poussée jusqu'au sommet du podium. Donc, au moment où on m'a annoncée comme championne de l'année, je me suis dit, oh là, je ne savais pas d'autre chose à faire autre que de me lancer tout de suite dans un parcours de musique. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes une reine de la pop. Vous avez des millions de fans. Vous avez reçu plein de distinctions. Je ne vais en citer qu'une. En 2011, sacrée artiste de l'année. Est-ce que ça fait de vous une artiste consensuelle? Est-ce que vous rassemblez ou est-ce que vous divisez les Chinois? Alors, le style musical que je fais, c'est plutôt un style assez particulier, assez différent par rapport aux autres styles existants déjà sur le marché chinois. Donc, il y a des jeunes Chinois, il y a un public qui comprend bien ma musique. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont, pour l'instant, incapables de me comprendre. C'est vrai que vous êtes imposé en ne copiant personne. Vous avez inventé votre propre style. C'est ça qui a fait la différence. Est-ce que votre devise, c'est surtout n'imiter personne, ne rien faire comme les autres? Depuis très petite, j'étais déjà considérée comme un enfant bizarre. Ouais. C'est-à-dire? Je ne voulais pas faire comme les autres. C'est un peu dans mon tempérament. Donc, depuis que je suis devenue musicienne, alors je me suis dit que c'est un peu ennuyant de faire comme les autres. Et surtout,
les styles musicaux qui existent maintenant sur le marché chinois, la plupart des styles, à mon avis, ils sont un peu ennuyants. Alors, quelles sont vos influences? Trip-hop. Dans la trip-hop, Massive Attack, Tricky, Gorillaz. Et dans la musique francophone, oui, Lara Fabian. Lara Fabian. Oui, ouais. Avec qui j'ai déjà l'honneur de chanter en duo. Vous êtes issue d'un milieu plutôt modeste avec un papa qui était commerçant, une maman qui était ouvrière. Est-ce que ça fait de vous l'icône d'une Chine moderne où on peut dépasser les clivages, où on peut s'élever quelle que soit son appartenance sociale? Absolument. J'y crois fort. Puisque maintenant en Chine, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce pays, c'est qu'il y a énormément de possibilités, surtout pour les jeunes. Il y a beaucoup d'opportunités commerciales. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il y a de plus en plus de salariés dans les grandes compagnies qui quittent leur poste pour créer leur propre business. Maintenant, c'est devenu même une grande tendance. Vous l'aurez compris, Wang Jie aime entreprendre et voir grand. L'artiste est aussi productrice. Sa dernière trouvaille, le groupe Fresh. Hello, I am Neil Ho. I'm Joseph Zen. I am Rex Ma. Hello, I'm Vince Wong. Bonjour, je m'appelle Nicolas Lestan. C'est elle qui a donné naissance à ce boys band en organisant un grand concours sur Internet. Adolescents y ont participé. À l'arrivée, ils ne sont que 5 élus. Hello, 你们好吗? Bonjour. Alors, quelle est la spécificité de chacun? Van, un grand compositeur. Nicolas, très beau. Et qui a un talent musical. Ma, c'est un grand chanteur. Non, c'est en fait lui, il est le chef du band. Et aussi Zhen et Ho. En fait, il avait déjà suivi une formation en Corée, je crois, avant de venir en Chine pour participer à notre concours. Donc, c'est un grand danseur. Le boys band, c'est une spécialité sud-coréenne. Est-ce que là, on a la version chinoise de cette K-pop venue de Séoul? Non, en fait, le boys band n'est pas uniquement coréen. Je pense que les Coréens, ils sont très forts en marketing. Et ils ont un système de formation très, très développé pour les jeunes. Mais je crois fort qu'aujourd'hui, les jeunes chinois, ils ont besoin de leur propre idole. Est-ce qu'il y a une influence européenne, Nicolas, dans le groupe Fresh? Je sais par exemple que vous avez tourné l'un de vos clips à Paris. À Paris, oui. Pourquoi Paris? Paris, c'est une ville, c'est un symbole de la liberté. J'ai vécu des années à Paris et en plus notre patronne, elle suit également de la culture française. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi Paris comme ville pour tourner notre premier clip. Donc en fait, Wang Jie, vous distillez un petit peu de culture française dans tout ce que vous faites. Oui, un petit peu de tout. En tant que jeune diplômée de l'université, j'étais déjà très fascinée par la culture française. Donc même maintenant, en fait, le métier... une chanteuse en Chine, en fait, c'est un métier qui n'a rien à voir avec la langue française, mais je fais de mon mieux pour inclure cette culture dans mon travail quotidien. C'est comme ça que je t'aperçois, viens me prendre dans tes bras, c'est comme ça. La nuit est tombée sur la capitale chinoise. Mais on ne va pas se quitter tout de suite, car c'est l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts. Je pense que c'est là, dans Galaxy Soho. C'est ma première visite dans mon propre bureau. Je me souviens que j'étais debout devant les grandes vitres et je me suis dit, bien, ici, c'est là où mon rêve va décoller.
Je pense que c'est les gens, surtout les jeunes Pékinois. Ils sont dynamiques, super dynamiques. Nanluoguxia, c'est un vieux quartier de style traditionnel. Et donc, dans le Routon, il y a de petits commerces avec de la nourriture traditionnelle. J'adore tous les restaurants de nourriture pimentée. Donc, tous les restaurants de hot pot, de nourriture pimentée, ouais. Les Pékinois, ils ont un sens de l'humour typiquement du Nord, que quelquefois j'ai du mal à comprendre. Les Pékinoises, elles sont grandes, plus grandes que les filles du Sud. Elles sont très à la mode, et elles sont très directes dans leur tempérament. Futur. Merci, merci Shang Wangjie. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet. Et vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Merci. Merci. Super.